Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pubub, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Unity. On va continuer l'histoire, on est dans la 12e séquence. A priori on a de l'argent dans le coffre, mais c'est plus très très grave. On va continuer du coup l'aventure principale et se diriger tranquillement vers la fin de cette Assassin's Creed. Et c'est parti pour l'être suprême. Que se passe-t-il ? C'est Robespierre. Il a déclaré cette journée « Fête de l'être suprême ». Un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh, et c'est quoi ce plan ? Pensez comme un Templier. Incroyable! Je croyais qu'on était censé devenir des rationalistes. Libre Robespierre! Bravo! Vive la liberté! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau. C'est grandiose au point c'est d'en quoi, devenir grotesque. C'est tout ça. Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Les purges, le culte de l'être suprême, si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de lui. Quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous ? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens ? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Ok, notre but, ça va être donc de discréditer Robespierre. Il a vu régner sur la terre la tyrannie, le crime et l'impunité. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain suspendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses vœux vers le grand qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. Mais ce sera lui dont la main immortelle prendra dans le cœur de l'homme le corps de la justice et de l'égalité qui fera la sentence de mort des tyrans. Ok, c'est juste là, sauf qu'il y a beaucoup de gardes. Il va falloir que je fasse attention, que je trouve un passage. Mince. Ça n'aura pas été long. Voilà, il y a trop de monde, Au
Occupons-nous de cela. Ah, faut que j'arrive à deviner anonyme pour de continuer. Bon, je vais perdre. On va recommencer. Ils sont nombreux là par contre. Vraiment réussir à. Falloir réussir à s'infiltrer. Voilà, hop, on commence par ces deux-là discrètement. Ensuite, on va se faire ces deux-là. Alors, ensuite, il y en a un qui arrive là. Attends de voir jusqu'où il va. S'il vient dans ce coin-là, on va... Non, il tourne avant. Celui-là, on pourrait le tenter, mais il y en a un qui passe, je crois, donc il faut qu'on se fasse avant. Ah, il y en a deux qui tournent en fait. Ah, juste. Mince, j'étais un peu trop juste. Il est tout seul. Allez, pourquoi j'ai pas pu le tuer directement? Voilà. Bon.
appelé la justice qu'ils en ont fait. La liberté et la vertu. Alors, on s'en est fait quelques-uns supplémentaires. La civilité, l'une ne peut séjourner sans l'autre. Qui a bien pu te... Oh, il se passe quelque chose. Je suis triomphé de tout ce qui est sûrement tout près. Pratique la justice et rend à la divinité le seul culte digne d'elle. Ça m'a fait partir les deux là et suis dans le bout. On continue d'avancer discrètement, enfin, discrètement entre guillemets. En fait, c'est les deux là-bas là. Il est enfin arrivé ce jour à jamais fortuné que le peuple français consacre à l'être suprême. Et j'ai peur que si je m'occupe de celui-là, j'ai les deux à gauche qui se réveillent et ceux d'en face. Et l'imposture. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises des oppresseurs du genre humain. Ah, sinon, je sais ce que je vais faire. Prendre le cours de ses travaux héroïques pour élever sa pensée et ses voeux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. N'est-ce pas lui, l'homme immortel, en gravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité, qui traça la sentence de mort des tyrans? Quoi? Où est-il? Lui qui, dès le commencement des temps, décréta la République. C'était pas celle que je pensais, par contre. Ah, j'ai plus de furie, mince. La bonne foi et la justice. Dommage. Il n'a point créé les rois pour dévorer les pays. Il n'a point créé les prêtres pour nous atteler comme de vils animaux au char des rois. Le roman est l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Mais il a créé l'univers pour publier sa puissance. Il a créé les hommes pour s'aider, pour s'aider mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vertu. Eux, ils vont aller voir ce qui se passe, par contre. La nature avait lié tous les mortels par une chaîne immense d'amour et de félicité. Brébeuf, qui a pu faire ça? Les tyrans qui ont posé la peste. Ça y est, on vient. Français, républicains, c'est à vous. Tant qu'ils tirent pas l'alarme, c'est pas grave. Ils sont fouillés et d'y rappeler la justice qu'ils en ont fait. La liberté et la vertu ont sorti ensemble du sein de la divinité. L'une ne peut séjourner sans l'autre. Peuple généreux, veux-tu triompher de tous tes ennemis? Ratifie la justice et rends à la divinité le seul culte digne d'elle. Peuple. Ok, bon, vu qu'il vient, on va peut-être pouvoir se le faire comme ça. Au transport d'une obscure allégresse. Demain, nous combattrons encore les tyrans. Nous donnerons au monde l'exemple. Il faut l'empêcher de s'enfuir! Jamais le monde qu'il a créé de lui. Il a vu régner sur la terre la tyrannie, le crime et l'imposture. Il voit dans ce moment une nation entière aux prises avec les oppresseurs du genre humain. Ok. On va récupérer des remèdes ou des trucs un petit peu. N'est-ce pas lui dont la main immortelle engravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui traça la sentence de mort des tyrans? N'est-ce pas lui qui, c'est le commencement des temps, à la République. Et mit à l'ordre du jour un remède. Pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice. Il n'a point créé les rois pour dévorer l'espèce humaine. Il n'a point créé les prêtres. Il restera que les deux devant, de ceux là-bas. Ah, il reste du monde en fait. Et pour tenir au monde l'exemple de la bassesse, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Tac. Des preuves incriminantes. Je dois trouver des preuves incriminantes. Je sais pas si on peut me voir là. On dirait un journal.
À exactement 5h du matin, un rappel sera battu dans Paris. Il invitera tous les citoyens, hommes et femmes, à orner sur le champ leur maison des couleurs bien-aimées de la liberté, soit en accrochant leur drapeau, soit en embellissant leur maison de guirlandes, de fleurs et de verdure. La liberté et la vertu sont portés ensemble du sein de la divinité. L'une ne peut séjourner sans l'autre. Intéressant, mais cela ne me sera pas utile. Peuple généreux, veux-tu triompher de tous tes ennemis ? Pratique la justice. Et rende à la divinité le seul culte digne d'elle. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre. Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Nous donnerons au monde les temples des vertus républicaines. Et ce sera l'honoré en Rome. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Il est enfin arrivé, il ne sera jamais fortuné. Que le peuple français consacre à l'être suprême. Jamais le monde qu'il a créé ne lui offre un spectacle aussi digne de son regard. Merlin, Tallien, Bourdon, ce sont tous des députés de la Convention. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Et la force de les exécuter. N'est-ce pas lui dont la main immortelle prendra dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui traça la sentence. Par la Élise, on va sortir par là parce qu'on peut sortir discrètement. N'est-ce pas lui qui, dès le commencement des temps, décréta la République et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice. Nous aurons justice. Il n'a pas été. Alors ? Une liste de noms. Une cinquantaine de députés de la Convention. Tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant ? Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes ? Je sais faire. Armée, alors, tour à tour, des poignards, va falloir protéger l'Église. Voilà. De l'athéisme, peuple craint. Armée, tour à tour, des poignards, des fanatismes, des poisons de l'athéisme, peuple craint. Armée, tour à tour, des poignards, du fanatisme, et des poisons. L'autre, il est loin. Ne prends-tu le complot sacrilège ? Ils ne peuvent pas nous arracher. Ne prends pas. Soyons généreux envers les bons, compatissants envers les malheureux. Inexorable envers les méchants. Soyons généreux envers les bons, compatissants envers les malheureux. Ok, on n'a plus qu'à fuir le secteur. Qu'est-ce qu'il m'a vu là ? On va fuir ces problèmes ! Ne comprends pas ce que la prospérité par les noms. Nous éliminerons ces maudits ! De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un démon. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux.
La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains et de manière anonyme. Si l'on nous repère, Jarma sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Alors que l'on guillotine des gens par milliers. Si Danton était encore en vie, il s'en étoufferait de chagrin. Que peut-on faire? Malgré toutes ces horreurs, Robespierre a le soutien du comité. Tant qu'il condamne des étrangers. Attendez qu'il s'attaque aux membres du comité. Permettez-moi de vous dire. Attends un petit peu. Ok, c'est bon. Next. Ah, c'est plus compliqué, c'est dans une zone interdite a priori. Imperturbable dans les dangers, patient dans les travaux, terrible dans les revers. Conduite inconvenante, moi. Mais pour qui diable Robespierre se prend-il? Soyons graves et discrets dans nos délibérations. Qu'y a-t-il, monsieur? Comme des hommes. Vous n'avez pas l'air d'un honnête. Ça termine de détrousseur. Ok, voilà pour lui. Il nous en reste un à faire. Complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde du sein de son auteur que le remords de leur propre cœur. Viens, monsieur Raymond, j'ai quelque chose à dire. Que la nature reprenne tout son éclat et la sagesse, tout son empire. L'être suprême n'est point anéanti. Soyons généreux envers les bons, compatissants envers les malheureux, inexorables envers les méchants, justes envers tout le monde. Nous nous reposons que sur notre constance et sur notre vertu. Homme, qui que tu sois, tu peux concevoir encore de hautes pensées de toi-même. Ne peux vous plaire une bête de vérité qui mélange. C'est bien ici que je te trouve vendeur. Ni surtout ce qui dépend de la fortune ou de la perversité de lui. Ne prends plus leur compte. Ils ne peuvent pas plus s'arracher le monde du sein de son auteur que le remords. C'est un petit peu embêtant ça. Leur propre cœur. Importunez, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Peu importe les. Soyons graves et discrets dans nos délibérations. Comme des hommes qui stipulent les intérêts du monde. Tu peux concevoir encore de hautes pensées de toi-même. Ne comptons pas sur une prospérité sans mélange et sur des triomphes sans obstacle. Ni sur tout ce qui dépend de la fortune ou de la perversité d'autrui. Ne comptez pas sur nos moyens. Ok. C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir les... La liste d'ennemis de la Révolution, elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Mais un faillite garantit notre indépendance. Le loup est dans la bergerie. Le plan est mouton. Et maintenant? On attend, ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Ok, on a réussi.
Bien, bon ça c'est bon. Alors. Hop, on va retourner un petit peu au café, voir si je devrais pouvoir acheter un peu de d'équipement supplémentaire. Parce que je crois que j'ai eu pas mal d'argent dans le coffre. Maximum. Célestine, le ciel soit loué. Tout va bien? Bien sûr, monsieur. Pourquoi ça n'irait pas? Beaucoup de monde aujourd'hui. Les émeutes empirent. Alors on est dans la chambre d'Arnaud, on va pouvoir du coup acheter un peu d'équipement. Je sais plus trop où est-ce que j'en étais par contre avant. Bah qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà du 5 étoiles. Taille. Ah taille, j'ai que du 3 étoiles. La ceinture du maître mousquetaire, je pense. Ok, et les jambes. Sont pas ouf les pantalons. On va prendre le pantalon du maître d'Arnaud. Ah voilà, donc là normalement on a tout passé en 5 étoiles. Ça c'est bon, je crois. Il nous restera les armes éventuellement, c'est vrai qu'on a pour l'instant j'ai que à la main parce que c'est que celui-là que j'utilise. On a que 10 000, donc je vais pas pouvoir non plus beaucoup améliorer. Il faudra acheter meilleur. Il va falloir que j'attende un petit peu de récupérer de l'argent. Il y a la main, il me semble que par contre j'ai déjà une bonne épée. Voilà, j'ai le katana. Ok, bien. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Assassin's Creed Unity vous aura plu. On se retrouve rapidement pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.